Jacqueline Morino, vous êtes à l'origine de la création de la médiation pénale en France. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez monté ce service ? Bon, c'est par le plus grand des hasards. Je vivais en Angleterre. J'étais chargée de recherche numismatique au British Museum. Et lorsque je suis rentrée en France, je me suis trouvée impliquée avec le groupe de recherche du ministère de la Justice qui essayait de trouver des réponses plus humaines et qui considéraient, ils avaient commencé à réfléchir sur les possibilités de la médiation en France. Jacques Vérin, qui était le directeur de la recherche au ministère à ce moment-là, c'était en 83, avait fait une expérience aux États-Unis, était sur la médiation, était revenu enthousiaste, et il y avait le désir d'initier cette expérience. Bon, ainsi, le garde des Sceaux, qui était Badinter à l'époque, a décidé d'initier une expérience pilote de médiation pénale au parquet de Paris. Et je me suis trouvée, par le plus grand des hasards, chargée de créer cette expérience. Donc la médiation pénale a commencé, on peut dire, en janvier 84, et perdure à ce jour, dans un processus de création permanente. Puisque je n'avais aucune expérience de la médiation, quand au contraire, aux États-Unis et au Canada, la médiation s'était déjà développée depuis les années 70, cette expérience m'a obligée à inventer d'une certaine façon une forme de médiation. Mes antécédents m'ont beaucoup aidée, puisque à travers mes études classiques, j'avais été très, très éduquée à la recherche de sagesse des anciens qui essayaient de répondre au chaos de l'homme à travers une conception ternaire de l'homme, corps, âme, esprit, et qui créent des spectacles, la tragédie grecque, qu'ils ont inventé pour éduquer le peuple à la compréhension de la rencontre avec leurs problèmes, leurs conflits, leurs drames, leurs désespoirs, etc. Et comment la représentation de ces tragédies sur scène était un moyen pédagogique très important pour découvrir qu'il y avait une possibilité de transformation du drame et d'une situation qui peut sembler complètement désespérée. Pour développer la médiation, j'ai immédiatement retrouvé pour moi la mise en scène de la tragédie grecque. J'avais en face de moi deux personnes qui avaient essayé de s'entretuer, qui avaient vécu la violence, et que faire ? La première évidence qui m'est venue, c'était la constatation que la violence est toujours liée à la souffrance. Et mon premier objectif dans les rencontres de médiation a été de donner un espace au cri de la souffrance. Non pas de chercher une solution, ce n'était en rien l'objectif, mais de pouvoir permettre déjà, à travers l'espace pour ce cri, de dire ce qui fait mal, de dire ce qui est insupportable. Mais le dire quand on est en face de la personne qui est son ennemi, c'est tout à fait autre chose. Parce que d'abord, elle va être obligée de vous entendre, et moi, je serai obligée de l'entendre. Donc, nous nous trouvons en face de deux exposés de souffrance. Et la médiation qui s'est développée, on peut dire d'une manière tout à fait presque naturelle, a été d'ouvrir un processus de transformation pour qu'il puisse y avoir à la fin une rencontre, une transformation de la situation initiale. Donc nous sommes passés de la rencontre avec le cri, de l'exposé de chacun de sa tragédie, de son histoire, petit à petit à un échange.
qui est guidé par les médiateurs. Et les médiateurs reprennent dans la médiation la place du chœur grec qui accompagnait les plaignants. Donc ces médiateurs, ils vont non seulement accompagner, mais être des témoins du drame, de la souffrance, et peu à peu donner de plus en plus la place à la parole pour cette souffrance. Donc c'est un apprentissage qui n'a rien à voir avec des techniques, mais qui essaie de donner la parole à chacun à sa vérité. Et la médiation humaniste est essentiellement un chemin de vérité pour chacun. On se rend compte toujours à travers tellement de mensonges, d'incompréhensions, de négations, etc. Donc c'est un long chemin, parce qu'une médiation peut durer longtemps. Elle n'a jamais d'ailleurs de limite de temps. Et comme la tragédie grecque, elle va peu à peu donner la possibilité d'ouvrir à un espace de rencontre et de compréhension de l'autre et de moi-même. Et cet espace de compréhension de l'autre et de moi-même peut m'amener à dire, bien oui, je me suis trompée, j'ai fait des erreurs. Et très souvent, les erreurs sont réciproques. Et on en arrive à la possibilité du pardon. Et le pardon est l'étape fondamentale. Le pardon est aussi important pour la personne qui pardonne que pour celle qui reçoit. Il libère. Et de cette dernière phase essentielle du pardon naît la dernière étape de la tragédie grecque, qui est la catharsis, c'est-à-dire la purification, l'éclaircissement. On n'a pas cherché un résultat. On n'a pas cherché la résolution du problème, mais à travers la transformation de l'attitude et de la pensée profonde de chacun, il y a un retournement et il y a possibilité de trouver une nouvelle forme de relation qui ouvre nécessairement à une transformation, à une réponse au conflit. Vous donnez beaucoup d'importance au rôle du miroir. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ? Alors, dans le cadre de la médiation, les médiateurs n'ont pas du tout la même responsabilité que l'on retrouve dans les formes de médiation qui sont les plus connues, qui sont en général toujours sur le modèle anglo-saxon. Le miroir est un instrument qui va nous permettre d'initier, d'approfondir ce chemin de vérité. Alors pourquoi ? Quand je me regarde dans un miroir, si le miroir n'est pas propre, s'il n'est pas limpide, je ne vais voir qu'une image de moi-même déformée. Mais si au contraire le miroir est limpide et nettoyé, il va me donner une possibilité de rencontre avec moi-même, dans ma vérité, dans mon authenticité. Et le rôle des médiateurs est de devenir eux-mêmes, de se transformer en miroir. Parce qu'ils ne sont pas là du tout pour aider les parties à trouver une solution, pour expliquer, pour même guider. Ils sont là pour peu à peu donner aux parties en conflit la possibilité d'une rencontre en profondeur, en vérité avec eux-mêmes. Et naturellement, le médiateur n'a aucune connaissance du médiat en face de lui. Il a reçu une histoire. Cette histoire, dans le cadre de la médiation pénale, bon, elle est dans le dossier, dans le procès-verbal, etc. Et des faits, mais c'est extrêmement limité. Et le rôle du médiateur va être en premier lieu, d'avoir la conscience qu'il n'est pas là du tout pour comprendre l'histoire, avoir un savoir-faire pour arriver à une solution, mais il est là pour devenir lui-même ce miroir limpide qui va aider les participants
à se rencontrer dans leur vérité. Alors mes paroles peuvent paraître un peu énigmatiques, mais si je vous donne un exemple, très souvent, nous parlons, mais nous ne disons en rien ce qui est vraiment ce que nous pourrions dire et ce qui exprimerait comment je me sens, quelle est ma vérité, etc. Donc c'est exactement ce qui se passe dans l'échange entre les deux médians. Chacun dit à l'autre, voir l'autre, complètement en dehors de ce que l'autre est. Donc le médiateur a pour responsabilité de sentir que même si je dis « Ah ben oui, moi tout va bien, je reviens de vacances, je suis de très bonne humeur, etc. » Il va sentir dans la personne en question, au contraire, peut-être une colère, peut-être une tristesse, peut-être quelque chose, une amertume, quelque chose de complètement autre. Et il va tout simplement, en tant que miroir du non-dit, ce n'est pas du tout la reformulation, hein, nous en sommes très loin, c'est un miroir du non-dit que très souvent la personne ne sait, n'identifie même pas elle-même. Mais le miroir va dire, eh bien, je vous sens très meurtri, je vous sens très triste, avec des paroles très simples. Quel rôle joue pour vous la médiation préventive ? Bon, je viens déjà de partager avec vous à quel point pour moi, elle a sa place à chaque étape de la, disons, de l'incubation du conflit. Mais la médiation préventive est celle qui pourrait en fait nous éviter des guerres. Et la guerre entre époux, entre compagnons de travail, dans la famille, etc., c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Donc la possibilité déjà de découvrir, de reconnaître des signes précurseurs de difficultés dans la relation, dans le fonctionnement, aiderait énormément